Ich mach mich auf den Weg zu einem Autohändler. Mein kleiner Volkswagen, der macht es nicht mehr. Kauf mir einen riesen Mercedes-Benz stattdessen. Den fahr ich dann aus wie besessen. Aber leider fehlt mir das Geld auf weh. Und so bleib ich halt bei meinem kleinen VW. Abgerackert den ganzen Sommer lang. Doch der Verkäufer meint, ich bin nicht mal nah dran. Denn der neue Benz, das ist ein toller Schlitten. Da passen wir alle rein und das ohne Bitten. Doch mein Babe sitzt immer nah bei mir, oh je, nee. Und so bleib ich halt bei meinem kleinen VW. Doch Babe sitzt immer nah bei mir, oh je, nee. Und so bleib ich halt bei meinem kleinen VW. Kleinen VW. Hey, ho, hab kein Marie. Neuen Wagen bekomm ich so nie. Schon mein Vater sprach, arbeitest du richtig hart. Steht der tollste Schlitten in deiner Einfahrt. Doch die Geschichte half nichts vor dem höchsten Gericht. Den Schlüssel nahmen sie mir, als sei es ihre Pflicht. Ich hab keinen Benz, keine Kohle, oh weh. Ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW. Ich hab keinen Benz, keine Kohle, oh weh. Ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW. Ich hab keinen Benz, keine Kohle, oh weh. Ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW. Kleinen VW. Ich hab nicht einmal mehr den kleinen VW. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Anführer zugehört, ich wäre heute daheim. War jung und dumm, war ein armer Jung, auf den Abweg geführt und gemein. Eingetriebene von meiner Not. Den Rest meiner Tage bleib ich dort, dort bei dem Haus Abendrot. Thank you.
闇深く響く地獄の足音、模様の下眠る父よ、胸に秘めた非情の定め、さらば友よ誓いの友よ、走る夕べの丘に赤い日が沈む、愛の日々は幻の夢、忘れてしまえ香り、さらば友よ誓いの友よ、俺はただ一人、俺はただ一人、おやお走る。Une tuerie cette track, mon gars. Et je sais, tu vois, autant j'adore la track, j'adore l'opening qui, je pense, est une de mes openings de série préférées, tout confondu, vraiment tout confondu. Hein. Mais je sais que je vais avoir énormément de mal à regarder la série, du coup, je préfère garder un peu le mystère, tu vois. Donc, je materai certainement jamais. Spider-Man. Par contre, Kakero Spider-Man, je vais l'écouter en boucle, tu vois. Bah ouais, Scott. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec Star Trek. Je sais que je veux pas accrocher, tu vois. Pourtant, j'aime beaucoup l'ambiance, mais je veux pas accrocher. Et pour ce stream, j'ai même fait l'effort d'acheter des clopes. Alors, ça doit faire 3 mois que j'ai pas acheté de clope. Tiens, je vais mettre l'autre intro là, regarde. En haute qualité, mon gars. キラリと光る光の目、安らぎ捨てて、すべてを捨てて、悪を追って空かける。 Change the pardon。 君はなぜ、君はなぜ戦い続け、一筋に一筋に無敵の男、スパイダーマン。Franchement, Spider-Man. Y a pas de mots pour décrire à quel point je suis fan de cette putain d'opening. Bon, je vais lancer dans quelques minutes, hein, le temps de finir ma clope, ça va pas être très très long. Il y aura une petite coupure pendant le stream, il y aura deux coupures pendant le stream. Une coupure parce que Pounz va arriver, il va falloir que je lui ouvre la porte, parce que c'est pas encore comment ça marche, c'est un peu comme les chats, si tu veux. Faut la choper par le col et l'amener. Et une vers 21h où on va recevoir les pizzas. Donc voilà, il y a de la coupure, ça va être un stream assez vivant. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout sur le stream?
elle est au volant. Poons est actuellement au volant et je sais pas comment elle fait pour. C'est dingue. C'est absolument dingue. Ouais, bien sûr, bah Alain, si tu m'envoies, tu sais, les openings ou les endings même, tu sais, bah la Gundam ou celle de Cobra Space Adventure, je sais pas quoi là. Moi, je suis fan. J'adore l'opening de Cobra. Enfin, je connais pas. C'est Spider qui connaît très bien Cobra, mais pas moi. J'ai pas regardé. Mais j'adore l'opening. Je prends Alain parce qu'en plus, en général, c'est des chansons qui sont libres de droit. Et je trouve que ça donne une ambiance de malade. Et j'adore les mettre sur le stream. Bon, allez, je vais lancer le jeu. J'ai pas encore fini ma clope. De toute façon, le jeu est rempli de cinématiques. J'aurai le temps d'en fumer. Donc, je vais faire une espèce de faux fondu avec la glissière de volume sur YouTube. Tellement ghetto. Et boum, voilà l'amour. Oh mais non. Tic-tic-tic-tic. Le son est pas très très fort, j'ai l'impression. Peut-être falloir que j'augmente d'un tic, comme ça. Voilà, là ça devrait être pas mal. Donc je vais commencer la partie. Alors, oui voilà. Voilà où j'étais, 23h, 23% je veux dire. 7 heures de gameplay, 23%. Je sais pas ce que je fous. Je sais pas si c'est les collectibles ou les trucs comme ça, mais j'ai l'impression que... Les gens disaient qu'il était plus court que le premier, et je sais plus, je me souviens pas que le premier faisait 30 plombes. Mais bon, bref, on va recommencer une partie. J'adore. Oh, ya, 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 ya. Ouh, oui, 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 oui. Bref, je vais lancer en Bring Him On, parce que J'étais déjà en ces difficultés dans ma partie solo et je suis mort beaucoup beaucoup trop de fois. Je sais pas si c'est le jeu qui est un peu plus compliqué que le premier ou quoi. Je me souviens pas être mort autant dans le premier. Et il est beaucoup moins corridoresque que le premier. Il y a beaucoup de scènes beaucoup plus ouvertes. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'ennemis. Et c'est un peu compliqué des fois. Donc je vais plutôt le mettre en moyen quoi. En moyen parce que... Mein Lieben, tu vois, je l'ai même pas encore débloqué, j'aimerais bien juste voir l'illustration que ça va être. C'est parti. It's agony to dream like this and wake up to reality. Fergus Reed, one of the old guard. You're still breathing, you jammy bastard. Hey, you're tough as they come, you know. Jesus Christ. Jesus Christ. Hey, doggy! Catch! Private Wyatt, good kid. See you on the flip side, Captain. General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. We eliminated the general. We cut the head off the Kraut war machine. That's him, isn't it? That's Death's Head. Help me make a choice. Is Luke to the one you would have me dissect? Thought I'd seen it all, but I've never seen true cruelty until now. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. V takým ráže trafí do základu psychiatričného. I think I see someone. Sans doute le même docteur que Venom Snake. She takes good care of me. It's 1960. The USA, they surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. On a train to Berlin. Il embrasse des filles. Oberstobernführer Engel. Sehr schöne arische Züge. Peter Blaskovich. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, they think the war is over. That we are weak. Don't have the guts to oppose them. But as always, they are wrong. Set Roth, according to official records, has been detained and sent off to a forced labor camp. You said wrong. I'm not sure yet. What do you know of Set Roth? Your dasher should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. I hope you'll find what you seek, my friend. My name is Bombate. William J. Blaskowitz. Be safe out there. No one leaves my camp! Max Hoss! Et voilà, le meilleur personnage. Le meilleur personnage du jeu, c'est lui. Max Hoss. Das Sichert is an ancient,
mystical society. We invent things. The technology, the development. That's here the centuries ahead of anything you've ever seen or imagined. Take us back to Berlin, Blazkowicz. Since your old friend Frau Eng was leading the attack, Death's Head must have promoted her for actions at the labor camp. You know what you have here, Captain? This is the Eva's Hammer, the crown jewel of the Nazi U-Boat fleet. Get inside the compound, fast as you can. Wipe Death's Head off the face of the Earth. Death's Head should have killed that man long ago. Got you standing. Captain, we are in position. The nuclear cannon is armed. Permission to fire? You're clear. Quel héros. Quel vrai héros américain, ce mec. Je sais pas si on le mérite. Peut-être falloir finalement que je baisse un petit peu le son. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça gueule énormément. Your father won't be home tonight. Business over in Dallas. Putain, ma mère fait du MMA, mon gars. Attends, voilà, cool. Je vais pouvoir baisser un peu le son, du coup. C'était une erreur. It was a mistake. Voilà. Just rest. Touche pas. Touche-moi pas, touche-moi pas. Soup. Porridge. Porridge. I don't know. It's hard decision. Soup. Oh, borscht. Ah, faut refaire le choix, je crois. Soit sauver Fergus ou Wyatt. Lequel on sauve ? Le mec super cool, qui nous aide depuis le début, qui est trop classe et qui a un accent, ou le jeune qu'on s'en fout un petit peu ? Je peux pas sacrifier lui au fond là ? Je peux pas sacrifier lui au milieu ? Lequel ? Pique, Nick, douille, c'est Nick, ta mère. Ah, dommage. Mon dieu, un chauve. Et un avec une tête de pomme de terre. Désolé, Scat. Mais vous avez dit Fergus, Wyatt et Fergus. Et moi j'ai compris. Sauf Fergus, tue Wyatt, sauf Fergus. J'ai un peu entendu ce que je voulais. C'est exact. Yes, madam. For ya. It's bleeding out. Go faster. Mentors. And the great warmth washing over me. Towel. I think the sky's on fire. Please don't die. Caroline is dying. Press. He's turning. Rip Wyatt, mort arbitrairement au nom du live. Il a cherché la merde, mon gars. Depuis le début, je le vois, il cherche la merde. Come on in, old buddy. Sorry I made you wait. Come on in. BigDickBitch.com. Le jeu est blindé de cinématiques, mon gars. On a tellement pas fini. Ah bah ça y est, t'es réparé. Pas mal les nanites, hein. Le nanogel. La merde ton puzzle, hein. Tu l'as fait super vite. Ah non, d'accord. C'est quoi? Ta-da-da-da. Un petit cogring. Oh putain, il m'a fait peur. Je me suis dit, putain, la couette elle bouge. Et pipou. Qui chien? Casse-toi avec ta merde là, file-moi le chien plutôt. Plus blindé que Max Payne 3, en tout cas ça me dérange plus que Max Payne 3. Ah. Papa! Y'a un anneau! Bonjour. Mother. Tu veux de la soupe? I acquitted. You want soup? Daddy. Was a righteous and just. Good. Very good. Good very enough good. To witness the awe of heaven. Est-ce que tu pourras arrêter de parler comme ça, s'il te plaît? You have no idea. Je m'appelle PJ Blazkowicz. J'adore la ASMR. Oh no. Mother. I'm going to hell. Oh no. Paul Bambate. What? I'll have to cut most of his intestines out. Whatever it takes, Ted, please! Stay with us, Blazkowicz. You fight through this and I promise you everything. Okay, le mec il se fait charcuter la race et il est encore là, quoi. Now! And I listen up! You fucking do!
Round everyone up and line up over here by the shake bay. Fuck it on your part. Est-ce que tant de profanité, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Stay down, keep quiet, he's coming. Sophia, he in there? No. Sophia, out of my way. He does not deserve this, you know. Bonjour papa. Don't bullshit. Je kiffe ta moustache. I saw him with her. Pipou. Ça va le chien. He does not know better. He knows goddamn well not to spend time with some dirty little nigger girl. Il a dit un gros mot. Not anymore. Il a dit girl. Je supporte pas le sexisme. Oh, Sophia, every day I'm out there busting my ass, tooth and nail, getting screwed out of my earnings left and right, humiliating myself just to keep the business alive. The business? I saw them two together, Sophia, getting sweet with each other under the poplar tree. C'est pas de ma faute si j'aime ce chien, d'accord? Lui, il me comprend. Ah non, vous parlez pas de lui, vous parlez de... Ah oui. To lose my reputation cause my boy is sweet on some nigger. Comment ça, sweet? Rip. Le mec, il s'appelle littéralement Rip. Hein. Je suis désolé. Hein. Sa mère aurait dû s'appeler Terre. I tend to the stables. Tu me touches pas. Touche-moi pas. You should have shut down the business when my father told you to. You're behind in everything. Oh, il y en a une qui va se faire remodeler le visage rapidement. À coup de Santiago. You are playing with fire, Sophia. You're gonna get it, bitch. You're gonna get it. I am not the man you want to mouth off to. You're gonna... Oh! Yeah, daddy. I married a man who would never let his family... Yeah, daddy. So help me. BJ, est-ce que t'es encore en train de danser dans le placard? We'll... Non, papa. Let you hurt my son. Yeah, daddy. You shut your damn mouth, poor... Attention, elle arrive. Elle va tomber. What is it with you damn Jews? Have all the answers, do you? Smart mouth, goddamn Jew. Je pense que dans le jeu... Attends, je vais en parler après. Sticking your nose into my business instead of handling your own. If you can't raise the boy right, I'll do it for you. Regarde. Le père, c'est... J'allais dire c'est Hitler, mais oui. Le père, c'est... Oh, regarde, il tape les femmes, il tape les chiens. Il aime pas les noirs. Le gars, c'est littéralement... Il est chaotique mauvais, quoi. Attrape, papa. Sinon, ils vont tomber par terre. Attrape ce vase. Regarde, il y en a partout par terre. Maman, elle a fait la... Tiens, attends, il y en a encore un. Merde. Aïe, aïe. Hop, esquive. Oh, je vais en prendre une. Ouais, bah, j'ai 7 ans et demi. Tu vas peut-être me laisser tranquille, ouais. Laisse tomber ce personnage écrit par un mec qui s'est certainement pris une fessée par son père dans un Super U une fois. Attends, je vais encore baisser un tout petit peu le son. Quoique, je sais pas, non, bah, vous allez me dire si le son a besoin d'être baissé. Je sais pas qui t'es. Aucune idée qui sont ces gens. En fait, je me suis rendu compte en lançant Wolfenstein 2 que je me souviens absolument de rien de Wolfenstein 1er. De Wolfenstein The New Order. Can you feel the kicking? Non, je pense qu'il est mort. Regarde ce mec. Il a son chevalet, il est déjà prêt. Oh, mec. En plus, il a mis son Fedora exprès, tu vois. Bessie, you such a good girl. You ain't going nowhere. Whimper all you want. Regarde, c'est vraiment le mec. Il a moins 100 sur son truc de karma. Hein. Sur Fable, je te promets qu'il a les cornes et les mouches. Mec, ça sert à quoi d'avoir un truc comme ça? Me dis pas que c'est un truc répandu en Amérique d'avoir un chevalet pour les mains. Doing everything in their power to rob the white man of what he's earned. It's on us to straighten out the queer. Comment il est méchant. It's on you. Finger on the trigger. Non. Ah, tu peux faire ce que tu veux, je tirerai pas sur le clébard. Now. Eh bah écoute, si on a tout le temps, moi j'attends là. Hein. Ça, regarde. Je la regarde de comme ça là. Comme ça, je suis sûr de pas la toucher. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je m'en bats les couilles. Hein.
much of a boy and stupid to boot in that brick head of yours. Ah mais je t'en... Toi appuie, hein. Moi je tirerai pas sur un chien, je suis désolé. Moi aussi j'ai un agenda. J'ai un agenda, Rip, ok. Moi, on reste là 15 minutes, je m'en bats les couilles. Falloir prendre une décision, Rip. Little Nick Boy. Quitte le jeu, va sur code 2. Je vais lancer la partie à côté. Je vais faire une double capture. Eh ben j'attends que le chien ait mangé sa gamelle. Je m'en fous. Tire pas sur le petit chien. Sur le canif. Eh ben écoute, ouais, je peux faire ça. Ah, je reviens les copains. Eh ben je m'en fous, ça attendra. Ça y est, la catastrophe est arrivée dans mon appart. Et donc apparemment, je suis obligé de tirer sur le chien. Ils ont déjà réglé le problème parce que dans le premier, il fallait choisir entre Wyatt et Fergus. Et je crois que si tu attendais assez longtemps, ils choisissaient pour toi. Donc, je vais essayer de tirer à côté. Je sais pas si ça passe. Je pense que j'ai loupé. You are so feeble, just like your mother. Mais t'es faible comme... Il a réglé le souci. Bon bah écoute. Comme quoi, hein, c'est con qu'il y ait deux cartouches, remarque. Il y en aurait eu une, il serait bien nickel, mec. Ouais, non mais... Regarde-le, Blazkowicz, on dirait un puzzle, le mec. T'arrives pile quand tu dois jouer, c'est bien. Ouais, mais pas au début. Au début, tu es dans un fauteuil roulant, ils vont pas en plus que les handicapés. C'est pas Bobby, le chien, c'est Bessie. Poléon. Comme quand on te traite d'imbécile, pareil. Elle est trop bien, sa chemise. Et voilà, c'est parti. Et ça commence. Je pense que tout le monde a vu de toute façon cette introduction là, où on est en fauteuil roulant. Le son du jeu est un poil fort en fait dans les scènes comme ça. Bah ouais, ça le problème en fait. Mais parce que je vais pas vraiment pouvoir le régler ça quoi. Écoute, hein, je vais baisser un tout petit peu le son du jeu et puis comme ça, je vais même aussi baisser le son ici. Tu peux arrêter de faire du bruit ? Ça m'énerve. Voilà, j'ai baissé un peu le son du jeu, donc ça ira un petit peu mieux dans les cinématiques, mais par contre, voilà, faut me laisser tranquille. Ok. Bonjour. Je peux le rouler dessus, tu crois? Attends, je suis sûr qu'il y a moyen. Ah putain, empêcher les handicapés de passer là. C'est pas grave. Ah, il fait un Heil Hitler. Regarde, il fait un Heil Hitler. Comment ça, on dirait? Je suis à côté d'un nazi. Putain, je voulais l'éclater. Allez, c'est parti. Rip and tear en fauteuil. Voilà. Le début est d'une simplicité enfantine, j'ai envie de dire. Ce qui est marrant, parce que t'imaginerais que se battre contre des nazis en fauteuil, c'est ça. Ah ouais. Vous allez voir. Des petits cons, ils sont...
Et... Ah merde, les escaliers. Putain. Les escaliers qui ont été inventés par Death Head pour m'empêcher de continuer. Heureusement, ils ont fait un ascenseur exprès pour les handicapés, les nazis. Tu savais que les nazis adoraient les handicapés? C'est vrai? Absolument pas. C'était les premiers qui mettaient dans des... Je t'ai regardé avec un autre et j'avais... J'ai vu, en fait, je m'attendais à ce que tu te marres et j'ai vu en fait que tu dises « Tiens, c'est vrai ça !» Comme quelqu'un qui regarde Fred et Jamy, tu sais. Oui, les nazis, ils sont que nazis après tout, les mecs. On peut se pencher en fauteuil. Bonjour. Donc ça c'est les pièges du fudge qu'il y a dans le bateau. C'est une espèce de truc micro-ondes qui te fait se plonger. Le fusil, c'est mon zizi. Allez, c'est parti. Rigole pas. Faut pas rigoler. Un truc comme ça, sinon ça me motive. Voilà. C'est ça dont je parlais, c'est dans cette scène là où les nazis ont encore plus l'air de cons. Vous allez voir. Le fusil disque dur. Bonjour. Voilà, ils se font tous désintégrer les uns après les autres. La carabite, ça marche aussi. You know how long you've been in bed? 5 months. Your body. Le petit joueur. Broke. You understand? Your kidneys are. La Winchester. Calme-toi. Calmez-vous tous. La K-40 sex. Moi aussi j'en ai un. T'as un casque. Là. Je vais faire foutre. D'accord. Donc tu vois, les nazis se font vaporiser derrière. Ils réagissent pas au début, tu vois, c'est un peu Mr. Bean. Est-ce que j'ai mon curseur? Non, j'ai pas mon curseur. Juste pour moi. C'est pas grave. C'est pas grave, je changerai ça après. C'est long, en fait, c'est très long. Toutes les cinématiques sont comme ça. Regarde le mec derrière là. Regarde le nazi qui essaie de passer. Comme dans la Panthère Rose. Tu vois? C'est de ça dont je te parlais. Ils ont l'air de cons, mais pendant tout le jeu en fait. Allez, super. Lance un handicapé se battre contre 700 nazis. Pas de problème. Et ces monologues à la Batman, là, je suis pas fan non plus. Un mix entre Batman et Punisher, ce qui serait sans doute un très bon personnage, mais je crois que je peux descendre les escaliers sans problème. Ou c'est chiant. C'est quoi ça? Ah, c'est les pièges. Okay. C'est moi qui ai explosé là? Est-ce que le piège m'a pété à la gueule? Sérieux? C'est pas grave. Tant pis. Bah écoute, j'active que dalle. Touche pas mes chaussons. Ils sont fragiles, ok. Oh putain. Oh là là, mon gars. Ouais, je suis en train de prendre cher super vite. Hein. En même temps, avec 50 PV et dans un fauteuil roulant. Bon, du coup, j'active pas ça, non, c'est mort. C'est le même moteur que New Order, je pense. Je pense. Attends, je vais encore baisser un peu le son. Excusez-moi. Je vais augmenter ça là. Mais je vais baisser l'entièreté. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. Voilà. Éviter de gueuler. Oui ! Parfait. Qu'est-ce qu'on s'amuse, putain. Ils sont quand même marrants, les nazis. Alors, faut activer ça. Hop. Cette fois-ci, ça me pète pas la gueule. Non mais, j'arrive. Je me suis fait buter, mais... Je suis bientôt fini. Non, ouais, mais... À l'aide. Putain. Oh là là, attends. Est-ce qu'il fallait pas, genre, activer avant qu'ils viennent? Et ensuite, je me casse. Ils ont explosé ou pas? Je crois qu'ils ont explosé. Allô?
C'est bon? Ah non, il y en a encore un. Et ça, le problème, en fait, dans le jeu, j'ai tendance à crever un peu n'importe comment, j'admets. Merde, c'était pas l'ennemi, ça. Juste balisé tout seul. C'est pas trop fort pour le son, pour toi, le son? C'est bon? Fallait par là-bas. Et donc, en fait, c'est... D'accord. J'ai vraiment l'impression de tirer avec un putain d'airsoft... au début du jeu. Ça dérange pas trop Poons que tu tues les siens, bah dis-nous. Non mais ça va, parce que ceux-là ils sont rigolos. Ouais. Ah d'accord, parce que quand ils sont pas rigolos, là pour le coup tu te sens engagé quoi. Un peu. Un peu. Je sais pas si on t'entend bien par contre. Est-ce qu'on entend un peu Poons quand même? Non mais c'est bien si on m'entend pas. C'est exact. C'est une bonne chose. Je pense. Allez, c'est parti, on prend un petit casque, hop, et c'est à moi. Je vais faire une petite sauvegarde rapide et... Loupé. Et... Coucou. Si le début vous a saoulé avec les messages politiques, avec le papa qui est littéralement Hitler, Hitler communiste nazi, Dark Vador... La suite va très certainement vous casser les couilles, modèle maxi. Comme dans... ouais, comme dans Soul Calibur. Est-ce que... Ah, je suis passé par là-bas. Vite! C'est vraiment pas adapté ici. Hein. On l'entend pas trop, ouais, mais le problème... En même temps, on l'entend pas trop, mais elle parle pas. Donc ça joue. N'est-ce pas? Ouais, ouais. Attends, faut que je désactive les pièges. Prends l'échelle, ouais. Et il aurait pu au moins avoir la décence de se hisser en haut de l'échelle juste avec les bras, comme dans Universal Soldier. Non, Soldier tout court, je crois. Avec. C'est pas Kurt Russell qui joue dans Soldier? Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la petite faute d'orthographe que j'avais foutue. Parce que du coup, ça te stresse, ouais. Tu vois. Ouais, ça m'a stressé de ouf. Attends. Putain, heureusement, je suis là, hein. Ta gueule. Ta gueule pour toujours. En plus, c'est elle qui a mon casque qui vaut cher. C'est super, vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai l'autre. Vraiment. C'est mon casque le plus cher. Celui-là. C'était le premier qui est venu et ça m'a saoulé. Attendez, je me galère. Non, toujours où cela tient. Mais non, faut se la tenir. On... Bon, écoute, ça marche pas, va niquer ta mère. Tant pis. C'est parti. Scan, change. Scan à l'aide. Alors, il n'y a pas de faute sur le... Oh, c'est par là. Y'a pas de faute sur le dashboard, c'est vous c'est vous les fautes. Tiens, pique ta mère. Ouais, on va essayer de la jouer tactique, on va essayer de la jouer stalker. On se penche. Peut-être que si je me penche à gauche et à droite comme dans Medal of Honor, je peux peut-être esquiver les balles comme... Allez-y, tirez-moi dessus. Tirez-moi dessus, bande de fascistes. J'ai l'impression que ça marche. Je peux prendre aucune balle. Bon, tout le monde va BGR sur le stream, mais... Ah ah. Regarde. Ah, remarque, ils sont pas cons, ils tirent dans les jambes. Je peux les bouger beaucoup moins vite. Ah, j'ai plus que 11 PV. J'ai des grenades? J'ai pas de grenades. Mais si, normalement j'ai des grenades. Comment on fait? Non, moi j'ai pas. Je sais pas c'est quoi la touche pour les grenades. Ah, je vais certainement pas pouvoir encore en lancer. Merde, il y avait un explosif derrière, je me suis fait chier pour rien. Hop. Hop. Allo. Ils sont où? Ah bah ils sont là. Ah bah lui aussi il était handicapé, c'est marrant. Comme quoi hein. Je suis le Uber handicapé. On va pas m'arrêter. Putain, t'as vu, il a une petite poche de pisse sur sa cuisse droite. Attends. Attends, faut que je mette à la lumière pour bien qu'on voit la poche de pisse. Attends. Voilà notre héros. Avec sa petite poche de pipi. Classe hein. Attends. Putain, 20 PV ça va être tendu. Ouais, excuse-moi quoi? Que le début en fait. J'ai fait un tout petit peu de l'aventure mais pas beaucoup. Que le début, et encore le début ça va parce que c'est tout droit.
Et ouais, j'ai eu des... Merde. Pardon. Je me grattais le genou. Je me suis fait niquer parce que je me grattais le genou. C'était pas ta faute, je pour une fois. Je pensais que c'était parce que tu me parlais. Pour une fois, c'était pas ta faute. Ah, putain, presque. Tu me poses si on peut le passer, ce truc-là, ça m'étonnerait. À mon avis, je vais crever beaucoup. Heureusement qu'on a rien à boire. Ouh, ouh, Mengor qui lâche un petit 5 balles. Merci Mengor. Les nazis, c'est bon la vie. Les nazis, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Quel connard. Quel connard, ce mec. Merci Mengor. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en plus, Mengor. On est content de le voir. Je suis content de le voir. Les autres, je peux pas parler pour les autres, je suis pas nazi. T'es content de le voir? Oui. Voilà. Il est mignon. Poune est très positive. Alors. C'est quoi? Il me faut de la vie par contre, là, parce que ça va être très compliqué. Je fais un petit sauvegarde rapide. Ok, on est bon. Est-ce que je peux m'accroupir? Non, je peux pas. Tant pis. Oh! Un strudel. Parfait. C'est quoi ça? Y'a rien d'autre ici? Ah si, encore un petit truc. Regarde, c'est quoi ça? Cry so rebel. On s'en fout. Je veux pas lire le codex dans le jeu parce que c'est un petit peu chiant. Les textes sont très longs. Et je sais pas pourquoi je le dis comme ça. Les textes sont très longs. Mais c'est un peu relou, du coup je le ferai pas. Et on passe un moment vraiment très long avec juste 50 points de vie en fait. C'est super étrange. Deadpool. Elle est bien, hein. Toute la musique du jeu est pas mal. Et mais il y a pas autant de chansons. Parce que je sais pas si tu sais plus, mais dans le premier Wolfenstein, il y a des chansons. Merde, des chansons connues. Je voyais pas où il était. Des chansons connues mais reprises en allemand. Genre il y avait des chansons des Beatles qui étaient reprises en allemand. Il y avait House of the Rising Sun qu'ils ont repris en allemand. Que j'ai passé au début. Moi je kiffe. Je kiffe comment ça rend. Et parce qu'en plus ils ont remplacé des instruments aussi, genre il y a de l'accordéon, des trucs comme ça, tu vois, et du coup c'est super bien fait. Et là dans le deuxième, c'est vrai qu'il n'y a pas tant ça, enfin j'ai pas entendu pour l'instant de grosses covers dans le genre. Donc faudra voir un peu plus tard. Ça reste Mick Gordon Bleu, c'est vrai. C'est Mick Gordon qui s'occupe du bordel, qui a l'air de s'occuper aussi du mixage son parce qu'il est vraiment vraiment bien fait. Oh merde. Vous avez pas honte de tirer sur un handicapé? Bande de nazis. Ouais, bah non, remarque. Vous êtes déjà nazis en fait, du coup vous en foutez si je vous insulte. N'empêche, t'as vu comment ils se font doser par Papy Blasco quoi. Papy Balasco finalement. Est-ce qu'il a tiré dans son propre piège? Ouais. C'est un loser un peu, non? Je crois qu'on. Parce qu'il s'appelle William J.B. Blasco. Oui, je suis sûr que c'est Josiane Balasco. Je suis sûr que c'est Josiane Balasco, mais en 40, où elle était encore grande, blonde, aux yeux bleus. Enfin, normalement qu'on est déjà dans les années 60, là. Et parce qu'on tape les nazis, mais... les mecs, ils restent, quoi. Oh, oh, ça, c'est une grenade, ça. Ça, je veux ça, moi. Voilà, là, c'est bon. Là, j'ai les grenades. On les voit, Lady Kiefer, vers la fin du jeu. Ah, ouais. On les voit, le groupe. Oh, ce serait stylé si on voit le groupe. Tu nous as un peu spoilé, mais ce serait stylé. Et je vais aussi passer mon temps à faire la sauvegarde rapide. Parce qu'il y a des parties, mon gars, mais... C'est insupportable. Est-ce que je peux y aller maintenant? C'est là où je suis venu. Nice. Oh! Hello! Willkommen! Ah, c'est là, c'est bon. Ouais. Voilà. Séparation. C'est bon, j'ai pas de QTE à faire. Je crois que c'est... Je sais pas. Ah voilà, on s'est fait sauver par une femme enfin. Y'en a des fois. Je crois pas. Je crois pas que j'ai vu de QTE depuis le début. Je suis pas sûr. Parce que si je joue et qu'il y en a. Mec, on y reste 3h30. Ouais, parce qu'en plus sur PC c'est chiant les QTE, c'est tout le temps ZSQD et je me pompe en permanence. À chaque fois, hein. Franchement. C'est la difficulté artificielle. À certains endroits, ouais. Don't be stupid. Enfin, c'est de la difficulté artificielle à la Dark Souls, quoi. Il t'envoie juste 50 ennemis.
Voilà. Quand tu découvres un ennemi dans le jeu, genre les chiens mécaniques, 10 minutes après, il t'en balance 15 à la fois, c'est sa meuf. C'est pas juste une nana enceinte contre laquelle il s'appuie comme ça, comme un gros flippant, t'imagines le bordel. Son pull, il est moche. Son pull est très moche, mais écoute, les années 60, c'est le problème, hein. Tu sais, c'est comme dans Stranger Things. Tu demandais en boucle pourquoi ils sont tous moches. Ah oui. C'est pareil, c'est à cause de 1984. C'est vrai, mais putain. C'est vrai que dans Stranger Things, c'était dur des fois. Le jeu est joli quand même. Ça on peut lui filer. Alors il y a Anthony Cavana qui est en train d'encourager un trisomique. Top délire. Ah, c'est l'armure de la meuf qui est ultra stylée. Comment elle est trop forte. Ouh. Max Oss, il déboîte, mon gars. Je te dis, c'est mon personnage préféré. Tiens, voilà Poons. Déjà, j'ai pas les cheveux courts. Avec le brassard, regarde. Si, tu sens pas le petit côté de la petite inspiration. La petite matraque, ça, je dis. La petite cravache. Si, tu sens pas dans la voix qu'il y a quelque chose. Si, un peu. Il y a une intonation. La petite grosse, mon gars, elle se fait victime. Ouais, Basile, je te promets, il y a des cinématiques qui sont super longues. Celle-là, notamment, elle est super longue. Mon gars, elle se fait victime. Ah bah, elle est trop mignonne, on dirait, tu sais, les petites mamies gâteaux. Bah ça, pour le coup, c'est une mamie... Là, elle a toute la boulangerie. C'est mamie pâtisserie, en fait. C'est quand Poons est mangueulé à cause du cendrier. Avec son mégaphone. Josiane Balasco. Terror Billy, quoi. Ça, si c'est pas un pseudo qui déboîte, n'empêche. On voit rien parce qu'on a le cul de la meuf en permanence devant la tronche. Bah oui, dès qu'elle sort, elle fait une éclipse. Tu vois, ça, il n'y avait pas ce problème dans Doom. Dans Doom, il n'y avait pas de cinématique de 10 minutes avec des personnages. J'avoue que je m'en branle un petit peu, moi, des personnages, hein, honnêtement. Hein. Regarde, et puis William, c'est une victime. Il fait. Il est malvoyant. À l'aide. Oh non, on est nani. Ça me saoule, putain. Regarde les nazis en... Les nazis qui se font des petites vannes. Ah, son armure Iron Man, elle est pas mal aussi. Il a pas la même gueule que d'habitude, BJ. Bah non. Il a une gueule de victime. Attends, dans le premier jeu, tu le vois avec deux fusils de chasse, torse nu, avec un sourire dégueulasse sur le visage, à buter du nazi, quoi. Même de l'allemand, tout, en fait. Il tue des bagnoles, des sous-marins, il s'en bat les couilles, si tu veux, BJ. Il a juste envie de tuer les trucs. Mais là... Ouh. Et là, je trouve ça vraiment insupportable comment il est représenté. Bonjour Poons. Arrête. Faut que je te mette cet avatar sur Discord. Mais non. Si grave. Non, t'es Kruppel. Kruppel. Oh là là, j'ai un famille. Mec, attends, t'as pas fini Eddard. Franchement, t'as pas fini de rager. Salut. Ouais.
Tu crois que si je fais un bisou nazi, il fait quoi? Tu crois, tu penses que ce serait quoi sa réaction? Tu crois qu'il ferait et qu'il rougirait un peu sous son casque, tu sais? Il m'a fait un bisou. Arrête. Du coup, à chaque fois, je te vois rire en fait. Mais je rigole pas comme ça, mais ça va pas. Si, un petit peu des fois. Non, mais n'importe quoi. Voilà, il fait pipi dans un sac. Ouais, c'est vrai, je fais pipi dans un sac et alors tu fais pipi où toi? C'est Dolores Ombrage. La frustration, je crois que Scan il t'a eu là. Lui, je l'aime bien, lui. Il me fait penser au géant de fer, le film d'animation, en plus nazi, quoi. Si le géant avait atterri en Allemagne, plus. Attention. Ah. Casse-toi, Carlos, on veut voir une exécution. Ah, tu vas voir dans quelques minutes. Tu sais comme quoi j'aime bien les gens gentils. Ouais, enfin, ça reste une nazie, hein. Non, mais gentil. Nazie gentille, un peu comme Casper, en fait. Découpe le gras du cul avec la hache. Je l'avais vu la blague, elle est grosse, fils de pute de jeu. Yadari pète des plombs, mon gars. Je comprends pas, le premier, il y avait pas tout ça. En fait, je m'en souviens pas beaucoup du premier, mais c'était pas aussi prononcé que ça. Los, los, los. Allez, allez, allez. Oh, il canique. Mais si, tu peux canne, allez là. Ah, elle a un petit. Elle a un tout petit brassard en fait, elle a un petit patch elle. Elle a pas le droit au brassard, elle a le droit au petit patch. C'est plus loin le brassard, c'est plus tard. Elle écrit en anglais dans son journal intime. La salope. Oh la faute. Elle a passé une mauvaise journée la petite, hein. Pardon. On peut l'adopter. Bah c'est plus ou moins ce qui se passe après en fait. Tu vas voir. J'ai spoilé, mais de toute façon, vous ratez rien. Salut Caroline, ça va? Salut Caroline, comment ça va? Référence. Salut Caroline, c'est Roline. Bah si, tiens. T'arrêtes. T'arrêtes de parler. Elle saigne pas beaucoup, hein. Fuck me. Oh la pauvre. Ça va? Enfin, ça va. La coagulation instantanée. Mais il paraît que ça marche comme ça, les juifs. Direct, c'est leur système de défense. Ah! Ah! Ah, chez moi c'est 4. C'est trop une connasse en fait. Ça sert à rien, tu sais, c'est juste pour faire chier. On dirait, en fait, on dirait un personnage de Bully, tu sais. Ouh. Oh la tartine. Oh la tartignole. Ah, t'as écrasé quoi toi? Ah, la tête, d'accord. Ça servait à rien, Isaac. Hein. Isaac Clark, c'est lui. Pas Fergus, hein, pas Fergus. Voilà, bouge pas trop, tu vas faire. Ah, le con. Tiens, prends ton bras. Oh, le mec. Oh, le beau gosse. Allez, allez, Blazkowicz. Voilà. Il est malouillant quand même. Ah, il met même pas de chaussettes, le dégueulasse. Ah, le loser, quoi. Ça doit être froid, ouais. Parce qu'il s'habite à l'air à moitié. Est-ce que tu penses que l'armure prend en compte le fait qu'il a une petite poche à pipi? Ça, on sait pas.
Le gouvernement nous ment. Allez. C'est bon. Lui, c'est pareil, son bras il ne saigne pas. Hein. Donc je sais pas ce qui se passe avec les gens qui saignent dans le jeu, mais. Donc on a la Kimbo dès le début du jeu, ça c'est pas mal. Puis lui. Ça va ? C'est quoi ce bordel ? Regarde son visage, il est cassé. Regarde, on dirait qu'il a un visage en porcelaine en fait. Sur son crâne. C'est chelou. Ah bah tiens, il y a un bout à toi là. Tu vois, elle est en train de. Oh putain, elle a. Tu peux aller. Poon est en train de me regarder avec des yeux impérateurs. Tu fais pas ça. Aïe! Dans la petite grosse, attends. Ah! Bonjour. Coucou. Ah oui, il a mis une ceinture, c'est pour ça que ça saigne plus du tout, regarde. Il a mis juste une ceinture, il va bien. Et puis il est pas en choc, il est... Non, tranquille. Un petit peu de jus d'orange et il est bon. Je voulais la taper, monsieur. Ferjus. C'est beau Ferjus d'ailleurs, cette période de la saison. C'est quoi ici là Ah oui. Là. Ta gueule, Batman, putain, insupportable quoi. Ouais, tu es nazi, les nazis. Dans le premier, il parlait pas. Dans le premier, c'était juste je fonce, et puis si un nazi, si tu veux, bah il termine en petit bout, si tu veux, j'en fais des lasagnes. Mais là, à chaque fois, il fait ouais, tu es des nazis. Oh, elles sont bien tes chaussures. Tu es des nazis, je suis trop fort, la liberté. Tiens, attrape. Oh. C'est lui qui baille là. J'ai cru que c'était un petit chat au début, mais c'était un peu long. Ouais, un peu. Ouh. Ah, c'est mesquin, ça. C'est mesquin, Blasco. Et du coup, maintenant, on a l'armure d'Acier Hood juif. Et on peut sauter. Et ça, c'est cool. Mais par contre, on va rester à 50 PV super longtemps. Before you go upstairs, please watch over our people. Né d'une caféinomane, donc d'un percolateur. J'adore cette vanne. Des nasagnes, exact. C'est exact. Les nazis en lasagne, c'est les nasagnes, exact. Pourquoi on lance pas la marque déjà? Pourquoi on lance pas la marque Lavoine? Ce flingue est très bien. J'ai fait une blague de merde. Ce flingue est très bien. C'est pour ça que j'ai pas rigolé. D'accord. Je sais pas si t'as vu que j'étais resté complètement stoïque. Ah ouais, si, ouais. Y'a eu aucune réaction. Et donc voilà, la partie que vous allez voir là. Arrête de parler. Attends. Avant de le décapiter, l'autre con là. Voilà, on va baisser le son de quand il parle, parce que ça commence à me saouler. Cette partie là qu'on est en train de faire, tuer les deux commandants pour ensuite continuer à buter les autres, c'est 80% du jeu. Tac, un petit HS, et les autres ils sont en train de paniquer. On est bon, on peut y aller. Aïe! Il y en a derrière moi. Il fuit ce con. Salut. Ah. Mec, je l'ai percé avec même pas le bout qui coupe quoi. C'est mesquin. Ah. Je vous préviens, je vais gaspiller mes munitions, un truc de ouf. Parce que ce jeu, contrairement encore, je vais pas arrêter de le référencer, mais contrairement à Doom, le jeu a pas beaucoup de munitions et c'est assez frustrant. Du coup, je vais spammer comme un fou pour essayer d'évacuer la frustration, ce qui va me rendre encore plus frustré. Voilà. C'est comme ça que je marche. C'est con, certes, mais c'est comme ça que je marche. Je vais monter un peu le son de l'autre côté. Voilà. Du coup, c'est soirée Wolfenstein. Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça, c'est soirée Wolfenstein. Je vais pas streamer jusqu'à super tard, hein, les copains. Je streamerai jusqu'à pas tard. Mais voilà, j'ai quand même envie de vous montrer une bonne partie du jeu. J'aimerais bien qu'on arrive jusqu'au bateau. Enfin, jusqu'à ce qu'on libère le bateau. Pour un peu qu'on voit de quoi je parlais dans le Forgecast. Où je parlais de Wolfenstein. Les problèmes d'écriture et de scénario. Ok, j'arrive là, c'est complètement con. La colotte ici, y'a que dalle, je crois. Ah non, on est bon, ok. Grâce à toi, je vais acheter le jeu, il a l'air bien. Franchement, c'est pas nécessaire. Craque-le, hein. Moi je l'ai craqué, y'a aucun souci. Hein. Ah voilà, là on a le fusil d'assaut, un vrai fusil d'assaut.
qui est beaucoup trop efficace d'ailleurs pour un fusil d'assaut. On va se remplir de grenades. Automated security system. Leur système de sécurité, ils l'ont appelé Odin quand même. Donc tu vois les mecs, ils sont au-dessus. Hein. Donc on a quoi? On a Vigipirate. C'est moins classe quand même. À part s'ils l'avaient appelé Vigipirate des Caraïbes, mais du coup c'est contre-productif. Achète plutôt New Order et son extension. Ouais. New Order et The Old Blood, tu devrais plus kiffer que celui-là. Arrête de parler tout seul. Pépère. Merde, c'est quoi? G? Non, F. Hop, ça c'est bon. Ah, il y a encore un mec. Oh! Dino Nazi. Allo? On voit que dalle, hein. T'es mort, toi? Hop! C'est bon, il y avait son cerveau qui dépassait. Attends, j'irai voir après. Il y a aussi un truc qui m'insupporte dans le jeu. C'est que pour... Aïe, aïe. C'est quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait... Ah. Attends, j'ai reçu un message de Domino's. Salut Domino's, ça va? Elle est où notre pizza, je peux savoir? Votre commande va être prise en charge par notre livreur. Je pourrais aller ouvrir. Si tu veux. De toute façon, c'est déjà payé, donc... Cool. Non, c'est vrai? Bah ouais. Paye sur Internet, maintenant. T'es fou? Alors oui, il y a un truc qui m'insupporte, et il faut que j'en parle, c'est que c'est pas A et E pour se pencher comme d'habitude. Il faut maintenir Alt, ou n'importe quel bouton, et les touches ZQSD se transforment en touches de penchage. Et je trouve que c'est insupportable parce que tu peux pas te pencher et bouger en même temps. C'est nul, c'est complètement nul comme truc. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Grenade! Hop! De quoi? Y'a Dari en train de péter un plomb. Je sais plus quel autre jeu faisait ça, mais je trouve que c'est vraiment une idée de merde. Et ça arrive en fait de plus en plus souvent, ce control scheme là. Et franchement, je vois pas l'intérêt. Ah, je crois que c'est. Comment ça s'appelle? Alien Isolation. Qui faisait ça aussi, mais dans Alien Isolation, tu t'en fous, il y a très peu de gunfight quoi. Alien Isolation, tu passes ton temps soit à te chier dessus, soit à courir et te cacher. Donc ça gêne pas. Mais là, putain. Tellement pas pratique. Merde, je lui lance une grenade. Je cours en chepou, allez. C'est pas grave. Ah. Voilà, il est mort. Du coup, on est bon. C'est quoi ça? Des balles. Voilà, lui, pareil. Moi, c'est le dernier Call of qui m'a mis sur le cul. J'ai allumé, j'ai voulu check les touches. Il n'y avait absolument rien de défini. Sérieux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Ah oui, il faut que j'aille en bas. Attends. Avant, je vais aller tuer le reste des nazis quand même. On va pas en laisser en vie parce que. Sinon, ils se reproduisent et ils en font d'autres. C'est un peu comme les cafards en fait. Pardon. Non, mais ça va, je le prends bien. Ça va, tu le prends bien? Ouais. Avec les années, ça devient des compliments. Tu crois que ça marche pour eux aussi, les vrais? Je sais pas. Qu'au fur et à mesure, ils se disent ah, merci. Merci beaucoup. Je prends ça comme un compliment. Bah, je dois aller par là? Mais attends, il y en avait encore. C'est toi qui te trompes de la jambe? Oui, pardon. D'accord, ok. Non, j'en... Mais comment tu peux le sentir? Si, je sentais les vibrations sur le sol en fait. Attrapez. Il a mangé un peu. Lui. Je préfère un bind de base et modifié parce que tout faire. Ah oui, d'accord, c'était rien de défini, tu devais tout faire toi-même. Putain, c'est bidon ça aussi. That's it. Controller bay. Allez, encore 20 minutes de cinématique. J'adore ce personnage, franchement, Max Hoss. C'est tout ce qu'il dit, Max Hoss. Mais je le trouve adorable. C'est un des personnages les mieux écrits en fait du 2. Qui a en tout cas les meilleurs dialogues. Le jeu est quand même beau. Mais je trouve que ça excuse pas tout. Et du coup, le bateau est à nous. Enfin, le sous-marin, en fait.
Le pauvre, en plus, c'est Max Ross qui a bu la tasse, quoi. Regarde, ils font faire la pompe, ça n'a aucun sens. Oh là là, évidemment, c'est la femme enceinte qui casse les couilles, quoi. C'est vrai, fait chier. Avec son pull moche, ouais. Remarque celui de Max Ross, t'as vu? Non. Il est... Attends, j'espère qu'on va le revoir parce que j'avais pas vu avant. Il a un gros pull en laine et il a une espèce de petit Bambi sur le devant. Je te dis, c'est le perso le mieux écrit. Alors, faut aller par où là? Il a un très bon pull. Pardon, Yadar, j'ai oublié ta passion pour les pulls. Pour les pulls affreux? Ouais. Alors là, va y avoir peut-être un petit jumpscare. Oh, c'est bon. Allo? Ouah. Robot. Ouais, non mais grave. Et ceux-là, dans le premier, t'en avais un par un, je crois. Enfin, le plus où t'en avais, c'était genre deux par deux, mais pendant les scènes très précises, tu vois. Et là, il te spam avec ce robot-là. Hop, là, il fait sa petite charge. Hop, il explose, il est mort. Et je suis mort. Non, c'est bon. Ça m'a fait trop peur, je te jure. Mais non. Et oui, c'est à cause de l'autre, là. Ça va? Non, mon ami. Ah, c'est les laser givers. En plus, il est même pas ouf, cette arme. Cette arme est vraiment pas malade. Il y en a des mieux. Elle permet juste de couper. Et oui, il y a une espèce d'élément de gameplay en plus. C'est la destruction partielle d'éléments. Dire ça. Voilà, tu peux les faire disparaître. Et ça fait blip blip blip, et il y a des trucs dessus, tu vois. Je sais pas si on peut faire des beats. Est-ce que tu vois qu'on peut faire des beats? Si, je le fais très vite. Ah, non, ça marche pas. Par exemple, là, je peux virer tous les couverts qu'il y a, quoi. Le son du truc est pas mal. Hop, je peux recharger mon truc. Comme les voitures électriques, en fait, sauf que c'est beaucoup plus rapide. Et je pense que je peux aller beaucoup plus loin avec cette arme qu'avec une voiture électrique. Le bruit est cool, hein, ouais, mais niveau sound design, il n'y a pas de problème avec le jeu, hein, vraiment. Même les doublages, ils sont pas mal du tout. Mais c'est juste que, ouais, le reste, c'est de la merde. Non, enfin, c'est pas de la merde, faut pas dire ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas ouf. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Je vais dire toutes les croix gammées parce que sinon on va se faire strike la chaîne. Et oh putain, c'est con! Il faudrait que... Ah non, je vais pas pouvoir faire ça. Il aurait fallu que je vous montre le comparatif avec la version allemande du jeu. C'est vraiment trop trop drôle. Est-ce que c'est le même laser gun? Ouais, on s'en fout alors. C'est la merde. Mais du coup, la version allemande, ouais, ils ont viré bah, tout ça. Tout ça, y'a pas. Ouais, ils ont rasé Hitler, ils ont... Enfin, c'est génial. Franchement, les mecs, ils débordent d'idées, quoi. Pour censurer leur jeu, ils débordent d'imagination. Hein. En plus, c'est même pas de la faute, enfin... C'est de la faute de personne, c'est juste, législativement parlant, ils ont pas le droit de mettre de l'iconographie nazie. C'est quand même chaud, quoi. Hitler a pas sa moustache. Mon gars, Hitler est rasé. J'ai tué quelqu'un? Oh! Oui! Oui, oh! Attends. Je vais prendre le laser gun parce que... On va avoir des petits problèmes. C'était un bout ou c'était... Ah ouais! Oh là, bah dis donc! Ah! Oh waouh! Mais il ne rigole pas de mon malheur. Non, c'est pas de toi que je rigole. C'est que Spider et Flakly, c'est des gros bâtards. Ah oui, d'accord, sur le Discord. Ouais. Ah, c'est plus ou moins noté depuis toujours, ça, c'est des gros enculés. Hein. Non, tu sais pourquoi? De quoi? Parce que la petite, là, elle dit que... Si, ouais, j'ai vu vite fait. J'ai vu du coin de l'œil. Elle
explique qu'elle sait rien faire avec un PC et il lui parle de faire des trucs, quoi. Que c'est des gros enculés. J'ai vu de supprimer système 32, ouais. Oui. À l'ancienne, ouais. À l'ancienne. Ouais, non, mais... Ouah, où il arrive. Non, il est pas là. Je crains ta gueule. Ah, oh putain, je me suis encore pris une, c'est pas possible. C'est quoi cette mesquinerie? Miskine. Cette mesquinerie même. Oh putain, comment je t'ai pulvérisé, le mec. Ok. Bah voilà. On dirait que le laser fait de la dubstep. Ouais, on dirait un peu le fusil à dubstep de Saints Row. Ouais. En moins musical, en plus nazi aussi. C'est où je dois aller déjà? Là-bas. Comment il est mort lui? Je suis même pas sûr d'avoir tiré dessus. Il fait une crise cardiaque. Oula. Bah alors. Ah d'accord, il me tire déjà dessus quoi. Cimer. Waouh. Ok. Oh putain, tu vois, je viens de commencer le jeu, il y en a déjà eu 3 ces connards quoi. Voire 4 même. C'est insupportable. Et j'ai l'impression que le jeu. Oh la panique. Ouh, Blazkowicz. J'aurais pas pu jouer moi. À l'aide. Ou alors j'aurais fait tout en courant. Comme sur. Oui, comme sur Bloodborne. Il est toujours là. Oh, je lance une grenade là! Non! Non! Il est où? Je me casse d'ici! Pourquoi les grenades ça fait des pets de fou? Je sais pas! C'est les prototypes allemands! C'était avant qu'ils se démilitarisent! Il est où? Il est là-bas? Il me cherche encore ce con! Ah! C'est bon, il s'est évanoui! C'est la pression. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on chope pas d'armure quand on est buté. Et je me souvenais que dans le premier, on chopait beaucoup d'armure. Et il n'y a pas de fonction de loot automatique. Des munitions, des trucs comme ça. Ça, c'est pareil, je comprends pas. Enfin, il me semble pas. Attends, je vais aller voir. Il me semble pas en avoir vu. Ah, je suis là. Ouais, non, il n'y a pas. Donc, je sais pas. On va gagner la guerre grâce à Ryurus, c'est sûr. Ah bah attends, il y a intérêt, hein. Hop. Une glissade. Tu vois, regarde. Attends. Est-ce qu'il va faire un truc? Non, elle lâche le flingue littéralement dès le début. Ok. Sinon, vas-y, tire. Tire, petite grosse. Montre-nous ce que tu sais faire. Allez, là. Et le maire, l'éléphant bariolé, là. Mais je suis. C'est pas possible ça. Mais ramasse, y a plus rien à faire avec ce corps là, t'auras juste dû prendre des miettes de la tête. Tu mets dans une petite boîte, un Tupperware, par exemple, Tupperware en Asie, j'en avais beaucoup. Plus ou moins les inventeurs du Tupperware d'ailleurs. La petite grosse c'est un spécimen d'hamster allemand. Elle met la bouffe dans ses bajoux pour plus tard. T'imagines en vrai la grosse elle est surentraînée, elle fait des flics de ouf et tout, bah carrément. T'imagines c'est John Wick. Regarde la gueule de victime qui se tape. Ma copine elle est morte. Putain. Max Hoss est plus masculin que Blazkowicz. Caroline had a plan. Yes, the liberation of the United States of America. Caroline wanted to free the US. Stepping stone to liberate the rest of the world. Cry water, this is what we're gonna do for Caroline. Oh merde.
Max, stop. Regarde, regarde le pull de Max. Merde, on a vu le pull de Max Hoss. Non, merci. Non, mister. Not anymore. Caroline. Là, il déboîte son pull, mais je vous le dis depuis le début qu'il déboîte son pull. Son pull Bambi. Caroline's plan is to build alliances. Le livreur, ouais. US resistance groups. Oui, bah ça compense du fait qu'il soit traité de con. Oh le pauvre, quand le mec il frappe, il fait son boulot, il a dû se galérer à monter deux étages. Non, c'est que dans mon cerveau, il y a un truc, je sais pas ce qui s'est passé. T'as eu peur. Tu as parlé et ça a tapé en même temps. Ouais, t'as flippé, non, mais moi non, ça me fait sursauter à chaque fois. Il est trop mignon, genre, il est trop mignon. Ah bah ouais. Je suis timide. Je te jure, j'avais envie de dire, hé, mais ça va. Ça va aller. En même temps, le mec il fait. Alors c'est qui ce con? Le pauvre mec. J'ai pas dit ça comme ça. Lucien, quand tu changeras de jeu, tu pourras te connecter sur Steam 2 secondes. Je pense pas que je vais changer de jeu ce soir, Alain. On va encore streamer un petit peu. Peut-être jusqu'à ce que je fasse 2 heures de gameplay environ. Et ensuite, je vais couper. Donc je pense que je couperai vers 22h. Et je pense pas que je changerai de jeu. R9. Voilà, apparemment, il y a une section du sous-marin qui s'appelle la section F, qui est fermée. Et ils savent pas ce qu'il y a dedans, et ils savent pas comment y accéder, et ils savent pas nanani, et ils savent pas nanana, voilà. Ça c'est à moi. Dans ton cul. Je m'en doute. T'as rigolé avant. Je l'ai vu venir, mais de tellement loin. Je que t'as rigolé avant que je fasse ta vanne. Oui, parce qu'au moment de commencer ta phrase, je savais que c'était... Well, the shot from the other side. Ça là. Fergus came to me with some thoughts for improvement. I think it would hit the level. C'est quoi? Thanks, I miss the old girl. C'est une gueule. Ah non, oui, c'est le flingue de merde qui sert à que dalle. Ah, d'accord, bah attends, Alain, je vais aller sur Steam maintenant. Bougez pas, les copains. Je vais juste me connecter à Steam, histoire d'eux. Et pour rendre service à Alain, finalement. C'est pas du tout l'appât du gain qui me fait faire ça, parce que je suis quelqu'un de sain, de théoriquement bon. C'est bien que t'aies rajouté théoriquement. Ouais, ouais, c'est le mot-clé dans la phrase. Alors voilà, ça c'est le laser craftwork. L'appât du gain, c'est ça, c'est en un seul mot. Ça fait quoi ? Ah oui, c'est juste un laser, quoi. Okay. Mais... Je l'avais ça dans la partie d'avant, je m'en souviens même plus. Attends, c'est super chelou. Skad. Ah putain, il y a Skad qui commence à me balancer des vannes. Je vais devoir me planquer, putain. Casse-toi, Skad. En plus, il a fait toc toc toc. Voilà, donc on est dans le bateau. Et il y a bien une section F dans le bateau. Une section qui n'a pas encore été fouillée par la résistance, donc nous. Quand même, les mecs ils font du boulot de merde. Putain, mais ferme ta gueule! Voilà, merci! Putain, laisse-moi jouer tranquille quoi! Et me parle en permanence! Parce que oui, t'oublierais pas de prendre un petit pull parce qu'il fait froid dans la section F! Elle commence à me péter les couilles cette meuf, mec! Allez, avançons. Qu'est-ce que ça tourne, ça? Ça m'énerve. Donc voilà, dans la section F, il y a des... Il y a des matelas. Et on entend des Allemands. C'est-à-dire qu'il y a des Allemands qui se sont planqués dans le bateau depuis des mois et des mois, et je crois même des années, d'ailleurs. Je crois qu'ils sont là depuis un peu plus d'un an ou un truc comme ça. Je vais casser ça. Je leur fous des balles de flingue dans la gueule, regarde. Ah, ils jouent aux fléchettes et tout, avec des haches de lancer, d'accord. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. J'ai essayé de tout mon cœur, mais j'ai pas réussi à prononcer le mot. Voyons, il est gros lui. Hop. Disparu. J'aime bien le pistolet dans ce jeu quand même. Surtout qu'il y a des améliorations qu'on peut prendre après, qui
qui transforme le pistolet soit en silencieux, soit en magnum. Et c'est vachement cool de tirer avec, c'est vachement agréable. Mais il y a rien à dire sur le gunplay du jeu qui est bon, hein, mine de rien. Il y a des bonnes idées et tout, mais ouais, non, il y a une exécution quelque part qui a pété. Il y a un truc qui marche pas. Et j'ai joué pendant une session, donc de 5-6 heures, je crois. Et je l'ai pas relancé depuis, le jeu. Je sais pas pourquoi. Enfin, à part pour ce stream, du coup, j'ai pas eu envie, quoi. Et ça m'arrive rarement, en général, les jeux, si tu veux, j'y joue... Déjà, quand je les chope, c'est que j'en ai envie. Je me suis jamais fait niquer, à part peut-être sur certains trucs. Qu'est-ce que tu fais, exactement? Ah, tu mets un jogging, ok. Je me suis rarement fait niquer en achetant un jeu que finalement c'est de la merde. Quelques fois quand même, hein, comme tout le monde, mais rarement. Ouais, non. C'est quoi ça? Ouais, c'est un mec qui est amoureux. Ça, c'était une lettre d'un nazi gay, je crois. Parce que comme vous le savez aussi, en plus... Ferme ta gueule, la meuf, putain! Mais pas toi! Mais elle croit que je le vois pas, que c'est grand! Mais c'est pas possible! C'est bon, t'as fini? Ok. Oh là là! Putain! Quoi? Bah toi aussi, il me fait chier, tu vois. Kill me. Kill me, please. C'est qui, ça? Bruti. C'est vraiment con, ces nazis. Comment ils ont pu ne pas trouver les Allemands? À l'origine, les Allemands puent très vite. Alors, les nazis. De quoi? C'est quoi cette théorie? Ah non, je suis tombé lors d'un script. Qu'est-ce que je veux faire? Eh ben, me relever et continuer. Génial. Wolfenstein. Je glisse. Ils sont où ces enculés là? Hayo! Je nage un peu. Ah, je crois qu'il y a des trucs dans l'eau, non? Ouais, il y a ça. Blip! La musique est pas dégueu, on sent Timmy qui s'amuse. Bien sûr, mais bien sûr! La musique est bien parce qu'ils ont mis quelqu'un de compétent. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de musique là. C'est juste Spider qui parle de la musique, mais en fait, il n'y en a pas. Ça fait 5 minutes que je suis rentré. La meuf, elle a parlé pendant 4 minutes 20, quoi. Laisse-moi tranquille. Stay safe, mais c'est pas en me le disant que je vais pouvoir l'être, espèce de gros cul. Pas possible, ça. Et que ça demande des tartines Nutella cornichon à 3h du mat. Parce que je suis enceinte. Bah écoute, t'as qu'à faire gaffe. Merde. Hop. Je croyais... Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Je croyais que le jeu avait crashé, mais c'est Allen qui m'a envoyé Delicious Pretty Girls Mahjong Solitaire. Il y a que lui pour trouver des trucs comme ça, c'est pas possible. Je comprends pas comment il a fait pour... Comment il fait pour trouver constamment des jeux comme ça. Peut-être c'est lui qui l'a fait. C'est sans doute lui qui l'a fait, ce serait beaucoup plus logique. Je refuse de croire qu'il y a des studios qui ont fait ça plusieurs fois, en fait. Parce qu'en plus, il m'a déjà offert un jeu avec des gonzesses et du mahjong. Je comprends pas. Je comprends pas. Merci beaucoup, Alan. J'accepte ton cadeau avec irrévérence. Ah, il m'a offert un autre jeu, en plus. Mirror. Qu'est-ce que c'est? J'aime... Oh non, c'est des... Faut prendre des photos de meufs à poil et jouer à Candy Crush. Mais c'est déjà une de mes journées normales. Allen. Merci beaucoup, Allen. Promis, je les stream pas. J'ai pas envie qu'on se fasse strike la chaîne encore une fois. C'est déjà arrivé sur Unipop et j'ai pas envie que ça arrive encore. Par contre, j'aimerais bien faire... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Vas-y, vas-y. Par contre, en fait, ils m'ont tous vu. Je pensais que j'allais être stealth, mais ils m'ont tous vu. Voilà, ça, cette chanson-là. Enfin, pas cette chanson, mais cette track. Ah bah, la musique est déjà à fond. Je vais augmenter un petit peu encore. Caroline. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je suis arrivée dans ta cuisine, j'ai fait « Oh, t'as des Golden Grams ». J'ai pris le paquet, j'ai dit « Oh, t'as plus de Golden ». Non, j'ai laissé le paquet vide de Golden Grams pour faire croire aux voleurs que j'en ai encore. Il y a encore des trésors dans les trésors. Je viens juste d'en racheter, en fait. J'en ai acheté tout à l'heure des trésors surprise. Oui, tu sais pas sur lesquels... Ouais. Tu sais pas sur lesquels tu manges. Mais oui, si, c'est ça. Tu sais jamais sur lesquels tu manges. Et du coup, comme il a parlé, autre enculé, et j'ai pas entendu,
La jolie track. Bah. Tu... Je vais arrêter de crier, Hitler! Ok. J'aimerais vraiment essayer l'esquive en plein combat, en fait, voir si ça marche. Le ha, comme ça. Non, mais Spider, bien sûr que le gunplay est bien, mais je trouve littéralement que. Alors, déjà, ça me casse les couilles. Ça m'insupporte les narrations comme ça. Mais le jeu est littéralement gâché par des minutes et des dizaines de minutes de cinématiques avec un agenda clairement politique. Et moi, ça me saoule de n'importe quel côté, ça me saoule, moi, de voir ça. C'est pas pour ça que je joue aux jeux vidéo. Si j'ai envie de voir des agendas politiques, je vais sur BFM TV, si tu veux. Et du coup, ça me casse les couilles. Salut! Voilà, toi, t'es lasagné. Il faut désactiver ça ou je sais pas quoi, non? C'est ça, là? Il faut lancer une grenade, je crois. Comment je fais pour lancer une grenade sans me péter avec? À l'aide! Attends, je vais déjà prendre ces deux-là. Je trouve vraiment que le jeu est gâché par ces cinématiques. Comme, ouais, comme Max Payne 3, mais pas pour la même raison. Parce que les cinématiques de Max Payne 3, à côté, franchement, elles sont bien. Franchement, elles sont cool. Scad qui m'a offert. Scad, c'est quoi ça, mec? Ah, mec, il est trop mignon, moi je joue à ça après. Conan the Mighty Pig. Mon petit Russian, parce que je sais que tu adores Conan, je vais te trouver un jeu que tu devrais aimer. Meilleur vœu, mamie. Mais c'est trop bien. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est le genre de truc qui arrive souvent, tu sais, tu dis à ta mamie, alors Timmy, qu'est-ce que t'aimes comme jeu vidéo? Ah bah moi j'aime bien les jeux de guerre, et genre t'as une Xbox, et t'achètes The Big Red One sur PS1, tu, tu vois? Pauvre mamie, merci mamie Scadur. Il me fait penser au jeu que t'avais joué une fois, c'est super chelou, avec des graphismes tout bizarres. Ça t'aide, hein, ce que c'est. Ouais, un jeu tout chelou avec des graphismes mais tout bizarres. Mais si, tu jouais des animaux, Batman. Et des petites grenouilles et tout, là. Oh, et c'est les le graphismes jeu... étaient super on jouait chelous. Avec Scad, c'était Meadows, oui. Je crois qu'il s'appelait Meadows. Et c'est celui où on était dans la forêt. On est dans une forêt paumée, c'était le jeu MMO, Scad. Un genre de MMO trop chelou, tu pouvais pas parler au mec, tu pouvais que faire des petits cris ou des trucs comme ça. Meadows, oh putain, laisse tomber. Ça m'a fait penser à ça, ouais. Ça, c'était une expérience, Meadows, hein, laisse tomber. Ah bah j'en ai des bonnes. Ah bah ouais. En tout cas, il est mieux écrit que Wolfenstein 2. Et du coup, c'est vrai que dans Wolfenstein 2, du coup, pour en revenir, parce que j'ai pas fini de chier sur le jeu, hein. Pour y revenir, les seuls passages qui sont bien, du coup, c'est quand tu l'aides des nazis et qu'il y a personne qui te parle. Alors du coup, ouais, ça fait son taf, mais ça le fait qu'à moitié. Parce que justement, pour pallier ce problème, Doom 2016 avait fait en sorte de pas avoir besoin d'écouter les dialogues de merde. Y a aucun dialogue dans le jeu que t'es obligé de te taper du début jusqu'à la fin, à part au début avec avec le robot là, Samuel je crois d'ailleurs qui s'appelle, encore un juif, lol. Mais du coup, c'est carrément plus supportable, quoi. J'adore la désintégrer avec le laser gever là. C'est vraiment agréable. Parce qu'au-delà de ça, ouais, franchement, la bande-son, elle est super. Il y a des passages en plus quand t'arrives bien aux US et qui te foutent de la bonne musique. Il y a certains environnements aussi où tu te balades et tu tires pas, tu sais. À un moment, t'es en centre-ville de je sais plus quel bled et tu te balades et tu vois du coup les installations des nazis, les mecs qui sont habillés en Ku Klux Klan, qui sont en train d'essayer d'apprendre l'allemand et tout. Et il y a une ambiance qui s'en dégage qui est vachement charismatique. Mais à côté de ça, c'est vraiment ça retombe comme un soufflet, je trouve, à chaque fois qu'on retourne. À chaque fois qu'on retourne dans ce bateau là. À chaque fois qu'on rentre, entre les dans le hub, entre le gameplay, c'est chiant. Une version VR de Wolfenstein The New Order, je dois dire que ça devrait donner. Je suis jamais convaincu par la VR, donc je peux pas dire. Je vais pas pouvoir défendre la VR. Il y a des trucs qui sont adaptés en VR, il y a vraiment des trucs bien, genre le jeu qu'ils avaient sorti sur Star Wars.
Il y avait un jeu Star Wars où tu jouais où t'étais dans un fighter en VR. Là, d'accord. Là, je suis d'accord. Pareil pour Elite Dangerous ou les jeux comme ça qui seront jamais finis, comme Star Citizen. Mais il y a des endroits pour la faire, la VR, et il y a des endroits pour pas la faire. Tu vois, c'est comme il y a un instant pour lire les hiéroglyphes et il y a un moment pour sortir d'une pyramide. Tu vois, c'est pareil. Et je pense que Doom et je pense que Wolfenstein et Skyrim et des trucs comme ça ne conviennent pas pour de la VR. J'en suis persuadé même. Well done, Blazkowicz. Come. Merci Anthony Cavana, mec. Raconte-nous la blague. Raconte-nous une blague. Et allez, ça va chialer pendant une demi-heure. Je vais me prendre une petite part de pizza. Hein. Content. Putain, elle va être chiante à manger en fait. Je la prends pour après. Mais ça va être froid. Je vais prendre ça plutôt. C'est pas grave, c'est bon la pizza froide. J'adore moi. All they've known. Là, il y a du petit pilet. All the shit they've gone through. All of it gone. Les gars, sortez-vous un apéro et tout parce que là on en a pour 15 minutes. Hein. Il s'est coiffé au réacteur de fusée. Il s'est coiffé à la torpille. C'est une gerbille. Elle ressemble un peu à ta gerbille là. Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a encore Mamie Scadure qui m'a offert un truc. Le stream a pas crashé. C'est Mamie Scadure qui m'offre Strange Things. Pas Stranger Things. Strange Things. Mon tout petit Lucienne, Gérard et Albertine m'ont dit que tu avais adoré la série, alors je t'ai trouvé un jeu. Gérard et Albertine m'ont dit que tu avais adoré la série, alors je t'ai trouvé un jeu qui t'en fera revivre les souvenirs. Meilleur vœu, mamie. Merci pour Strange Things. Je sais même pas ce que c'est ces jeux-là. Tiens, ça fait 3 jeux, 4 jeux que je vois dans la soirée. Et je ne les connais pas. Et ça, c'est rare. Ouais, mais Spider, le passage entre Wyatt et Fergus, c'était au début du jeu, pendant l'introduction. Avant que tu ailles dézinguer du nazi de façon absolument anti-nazi. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la chambre de Blazkowicz. Qui reflète bien... À quel point c'est un cuck? Pourquoi? Pour une raison qui est toute simple. Il n'y a pas un seul flingue dans sa chambre. Même moi j'ai des armes. Lui il en a pas. Il a quoi? Il a une machine à coudre. Et là, regarde, ça c'est dégueulasse. Parce que quand tu vas chez mamie, et que tu trouves... Quand tu vas chez mamie ce qu'il y a dur, et que tu trouves une boîte de Quality Streets, ou des boîtes de gâteaux comme ça, et que tu te dis « Oh super, je vais pouvoir manger des gâteaux devant Télétoon !» Et en fait tu te rends compte que c'est que du matos à couture. Ah oui, franchement, c'est vrai, ma mamie, elle faisait ça. Franchement, c'est insupportable. Franchement, j'en peux plus. Putain, cette boîte. Ouais, non, mais tout le monde bad à cause des boîtes de Quality Street, mon gars. Ah ouais, t'es pas au milieu du jeu non plus, c'est le début. Mais Spider, connard, je suis allé beaucoup plus loin en solo. Écoute-moi quand je parle. Putain, le mec, il veut vendre son jeu, quoi. Le relou, quoi. Et ça, c'est la chambre de Max Hoss. Et là, d'accord, là, il a une vraie chambre, Max Hoss. En plus, il fait des petits dessins, regarde. From Klaus to Max. Happy birthday, Max. Signé Klaus, du coup. Oh! Je veux pas lui manger ses petits gâteaux, t'es fou! Tu crois que ça fait que je les mange, ces gâteaux? Ah non, c'est bon. Je trouve ça super badant, les boîtes à musique. Je sais que toi t'aimes bien ça, Pouze. Et moi, la boîte à musique, je trouve ça ultra badant. Et voilà, ça c'est le hub du jeu, avec Blazkowicz qui chuchote tout seul à Caroline tout le temps, ça casse les couilles, il pense plus à Caroline que sa meuf, top délire, qui est enceinte quand même, hein, on le soignera. Et puis voilà, il y a des trucs non intéressants à regarder, il y a ça, oh mais non, c'est fermé, on verra plus tard, hop, il y a 7, il faut aller le voir pour déclencher une cinématique, et moi ça me saoule. Je suis saoulé. C'est pas Fury, ici c'est Lettre à Elise, ouais. Vous pouvez dire lettre à Elise, hein, vous êtes pas obligé de le dire en allemand, les mecs. Für Elise. Ah, je reconnais, c'est Für Elise de Beethoven. J'aime pas si Beethoven, d'ailleurs.
Si, lettre à Alice, c'est Beethoven ou c'est l'autre? Oh là, moi, vous me demandez. Mais si, tu sais. Mamie Scad, quand vous encore. Putain, je suis passé de petit Russiane à tout petit Russiane. Et mon minuscule Russiane, comme ta maman m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose de ce nom-là dans ton historique, je voulais t'offrir la suite en jeu. Meilleur vœu, mamie. Le jeu s'appelle Two Ninjas One Cup. Non, c'est beau. C'est beau. Oh merde. C'est dégueulasse, Cathy. Pourquoi j'ajoute ça à ma bibliothèque en plus, moi, putain, je marche dans ces conneries, là. J'en ai marre. Vous êtes tous virés. Tous ceux qui ont rigolé, vous êtes virés. Oh la vache, bah dis donc. Ah, ta copine. Elle adore Dick Kiefer. Ah vache. C'est quoi le vinyle qu'elle a? Ah bah oui, c'est ça, c'est Dick Kiefer. Et ça, du coup, c'est un des groupes qu'il y a dans le premier... qui reprennent des chansons des Beatles, ouais, des trucs comme ça. L'image, par contre, c'est un peu flippant. Parce qu'elle adore Dick Kiefer, donc j'imagine que quand t'aimes des albums, tu les caresses. Regarde. Oh, ils sont beaux. Das ist gut, das ist gut. Elle se fait niquer par le noir, après. Bombaté, là. C'est on a vu Bombaté, ouais. Il l'encule à un moment dans une cinématique. J'allais dire genre sale, mais en fait, je peux plus en demander. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? C'est un truc raciste, non? J'aime pas... J'ai pas entendu ce que t'as dit. Pourquoi je dirais un truc raciste? J'étais captivé par ce singe-chat. Par contre, c'est vrai qu'il est minime. Il a pris un corps de singe et une tête de chat. Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux l'inverse? Ah non, ce serait dégueu. Attends, de quoi? Bah un corps de chat et une tête de singe, du coup. C'est dur, hein. J'arrive pas. Le truc, c'est quand même... Oh, dis donc, il a mis une tête de chat sur un corps de singe. Et nous, on a un corps qui est tout pété. Qu'est-ce qui va bien donc-t-il nous arriver-t-il? Oui, elle s'appelle Shoshana, en plus. Harmonize, otherwise totally recalcitrant biological system, respiratory and circuit. Ok, I get it. Au revoir, Shoshana. Épargnez-moi votre dialogue, monsieur le scientifique. Putain, ça va me saouler, vas-y, attends. Non, j'ai pas envie de prendre la pizza. Me dis pas que tu vas changer le corps dans le jeu, je sais pas, Yadar, peut-être, peut-être pas. Est-ce que tu pourrais éviter de m'appeler Yingele et plutôt m'appeler Blazkowicz? Franchement, ça m'arrangerait. Oh là, putain, c'est écrit avec le cul, c'est pas possible. Le mec, dans une seule phrase, il y a eu Adolf Hitler et Meshuga, quoi. Tu vas prendre le corps de la grosse... La tête de Blazkowicz sur le corps de la petite grosse, ça d'accord. Là je prends. Voilà, toute cette cinématique c'était pourquoi? Pour m'expliquer qu'il a un petit singe avec une tête de chat et qu'il y a un drone qui a pété un plomb dans la salle d'entraînement. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est trop chiant, c'est insupportable. Ah, ils ont un drone qui a pété un câble. Ouais, casse-toi. Voilà, du coup j'ai gagné un upgrade kit et on peut upgrade les flingues. Et ça c'est pas trop mal. Parce que du coup tu peux, par exemple là, je peux transformer le flingue en magnum. Ou alors foutre un chargeur plus grand, ou alors un silencieux. Et je pense d'ailleurs que je vais peut-être prendre le silencieux en premier. Parce que ça aide énormément dans les parties plus tard. Parce qu'il faut stealth un minimum. Je sais pas, vous préférez quoi vous? Là, le Sturmgewehr, je peux rajouter une lunette, ou alors que les munitions soient, comment on appelle ça, AP, qui perce l'armure, ou un chargeur qui me fait recharger plus vite, ou alors ça, ou je peux faire en sorte que ce soit un pistolet à clous, mais du coup, les balles sont très lentes et c'est chiant. Toi, tu prends le silencieux direct, le magnum silencieux, d'accord. Tu peux changer à l'infini, je peux changer à l'infini, c'est-à-dire... Par exemple, si le flingue, je mets le silencieux, je peux virer et remettre le silencieux. Si je fous le magnum en appuyant sur C...
Tiens, bah, Poléon maintenant. Le petit Créopou qu'il a, il a signé. Écoute-moi bien, fieux. On va pas falloir commencer à me jouer avec, avec mes couilles, hein. Alors tu prends ce cadeau et tu fais pas ton... Oh là là, oh là là. Attends, c'est quoi? Ton pot de fer deck en Stubelings. Ça, je connaissais Stubelings, mais le premier, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je sais pas comment c'est. Régale-toi. Merci, Poléon, qui m'a offert Splatter Zombie Apocalypse, un top-down shooter film noir single-player campaign. Oh là là, ça fait mal un petit peu. Hein. Un truc avec... Ouf, bah j'espère que c'est bien. Écoute, Poléon, merci beaucoup, Poléon, en Stubelings. Genre, tu prends le silencieux, mais l'enlever et réallouer ton amélioration sur le Magnum, par exemple. Ouais, tu peux faire ça, Tractoboy. Tu peux faire ça, tu peux prendre... Pot de fer deck, c'est un connard relou, d'accord. Bah écoute, je t'emmerde. Et donc du coup, ouais, tu peux désactiver, en fait. Par exemple, si je prends je vais prendre suppresseur. Mettons tac, j'ai le suppresseur. Hop, j'ai plus suppresseur. Suppresseur, plus suppresseur. Et je peux faire ça, quand je veux. Et du coup, ça va pas mal m'aider dans les missions d'après. Et du coup, je vais commencer à utiliser le flingue un peu plus. On marque pas là parce que j'ai pas trop besoin. Là, je vais plutôt prendre ça. Allô? Ah, d'accord. LOL. LOL, quelle quête. Quelle quête agréable. Bonjour, toi. Ah, c'est Ridva Tuomilar. Vas-y, parle-moi encore un petit peu, parce que elle, littéralement, à toutes les phrases, il y a du vide tout ça, Tana, hein, franchement. Moi, Captain. Moi, ça veut dire bonjour. Vite, ton père qu'elle est. Alors, du coup, faut retourner voir 7. Ouais, c'était pas trop chiant, ça va. J'étais comme ça. D'où tu prononces mon prénom, toi? Anya found Caroline's notes about the American resistance cell in New York City. Look for her in Caroline's room. Allez, dans la chambre de Caroline maintenant. Il faut trouver où elle est, Caroline. Je sais même plus où elle est. Je crois qu'elle est par là-bas, là. Ici. Et puis ça va chialer pendant une demi-heure encore. Hé, hey, Anya! William. Oh là là, putain. I can still smell her in here. J'aime bien sa veste, par contre. Son cul, ouais, bah, dégueulasse, mais sa veste aviator, elle est pas mal, bah oui. Bah c'est un crop, quoi. Bah si, regarde, parce que les manches sont trop courtes. Ta gueule, les manches sont trop courtes et le truc est trop court aussi là, en fait. Donc je pense qu'elle a juste une veste trop petite pour elle. Parce que c'est un gros cul. Bravo. Quoi, ça m'intéresse pas ce que tu dis, je me casse. C'est quoi, faut faire quoi maintenant? Allo? Faut aller où? Là-bas? Talk to Fergus. Ça m'intéresse pas ce que tu dis. Bah Ruru, c'est les hormones, le Nutella n'existe pas, alors ça chie à la... Il pouvait pas compenser déjà à l'époque, je sais pas. On avait déjà inventé la coke. Ouah! Ever drifted off peacefully to sleep, only to be brutally awoken by your own prosthetic arms, stabbing you in the eye. Had to turn it off. Is that normal? What's that say? Something about there being a. D'accord, donc c'est des histoires séparées, en fait. Enfin, moi j'avais choisi Wyatt dans la première partie, et Wyatt il s'était fait niquer la tête et du coup il avait un son en permanence dans l'oreille qui lui faisait péter un plomb. Et le seul moyen de pas entendre ce son-là, cette espèce d'acouphène permanent super désagréable, c'était de prendre du LSD. Du coup, il était défoncé en permanence. Et là, je sais pas ce qu'il va faire, du coup, Fergus, j'imagine pareil, parce que c'est le même style de problème mental, quoi. C'est une douleur fantôme. Oh la vache, on dirait Fight Club. T'imagines, il s'était fait remplacer les deux jambes. Il aurait couru en rond.
Super, et toi? On dirait un remake d'Evil Dead avec la main qui tue. Putain, grave, mec! Carrément! Poléon, il a envoyé un cadeau à Foxy sans faire exprès. Mais non. Mais Poléon... Poléon, qu'est-ce que tu fais? Poléon, pauvre popo. On t'aime fort, Poléon. Du coup, il avait changé son petit message. Rire, Big Boss. Il est trop mignon. Oh, le pauvre. On t'aime, Poléon. T'es trop mignon. Introduce ourselves properly, face to face. Ground level. The whole city is saturated by fallout from the net. Bref, bah les couilles, en gros, on va aller à New York pour retrouver la... Comment on appelle ça? Là, je crois qu'on a... Je crois qu'on a loupé du coup la partie où on voit la petite grosse se faire niquer par le noir. Je suis désolé. Attends, est-ce que je peux recharger? The Reunion, je crois que c'était... Attends. 1h27, merde, je sais pas. Je vais peut-être pouvoir passer. Non, mais non. Si ça fait n'importe quoi après. Non, ça devrait être bon. On verra bien. Au pire, je rusherai, c'est pas grave. J'ai vraiment envie de vous montrer la petite grosse qui se fait niquer. Parce que c'est un petit peu symptomatique du problème. Ah non, c'était peut-être plus tard, remarque maintenant que j'y pense. Ah. Oh putain. J'ai encore reçu un cadeau sur Steam. Ouais, mais celui-là, c'est pas un cadeau ça. De la pa... Enfin, ouais, les autres... Ouais, les autres n'y plus, tu me diras. Bref, alors, je vais aller voir ça, machin. Bougez pas, je vais tracer. Donc, Allen m'a envoyé Fidget Spinner. Attends. C'est pas Fidget Spinner Simulator. Vous m'avez pas compris. C'est Fidget Spinner. Tout court. Putain. Hey, mon petit, prends-moi ça, tu m'en diras des nouvelles. Il m'a appelé Rourou. Et il a signé Black Mama. Hey, mon petit, prends un chat. Merde, j'ai passé la cinématique encore. Tu vas pas me dire que c'est une cinématique de... 10 minutes? Merde, Scott, galère le faire. Dur. Ils sont à combien ces jeux de merde? Je sais pas, mais pas assez. Honnêtement, pas assez. Pas assez ou trop? Ça dépend comment t'interprètes le truc. Merci beaucoup. Enfin, oui, merci un peu. Allen. Donc, on est dans Fallout 3. On est à New York, on va essayer d'aller choper la résistance tout court. Et du coup... Du coup, c'est pas maintenant la petite grosse. Mais je sais plus. Je sais pas. Honnêtement, je me souviens plus. Et du coup, je viens de me rendre compte que l'arme qui m'ont filé au début, ça, cette arme que j'ai là, c'est un laser. Parce que dans la partie où j'avais choisi Wyatt, c'était pas un laser, c'était un lance-grenade. Et du coup, ça change beaucoup de choses parce que moi je préfère carrément le laser au lance-grenade qui était un petit peu merdique. C'est pas mal du tout. Attends, je vais aller recharger tout de suite. Et du coup, donc ça change. D'accord. Ah oui, parce qu'en fait, il y a les deux chargeurs, d'accord. Il y a là, il y a le chargeur électrique et de l'autre côté, il y a le chargeur à diesel. Ok, d'accord. Donc ça change vraiment ce que t'as dans le jeu de choisir Fergus ou Wyatt au début. Ok. Bah écoute, j'ai bien fait de choisir Fergus ici parce que cette arme est carrément plus pratique. C'est... Franchement, c'est quasi littéralement Fallout 4. L'imagerie est très belle par contre. Hein. Franchement, regarde, les niveaux sont vraiment jolis. Regarde ça, c'est quand même stylé quoi. Bon, on sait bien que le jet fuel, ça peut pas faire fondre les poutres structurelles, mais bon. Bref, allons-y. Allons-y gaiement. On va buter du nazi, y'a pas chier. Hein. Il est joli le jeu. Ah, mais carrément. J'aurais pris Serial Cleaner. Serial Cleaner, je l'ai déjà, je crois. Ou alors je l'ai testé, je sais plus. Serial Cleaner et Party Hard, c'est deux petits jeux qui sont super sympas. Alors, il va falloir qu'on ait niqué. Ouais, c'est pas mal, il y a des effets de lumière qui sont cool. Les effets volumétriques qui sont convaincants. Non, franchement, c'est pas mal. Mais pas tout le temps. C'est ici? Où qui sont les nazis? J'ai eu peur. Oh putain, mon microscopique Russienne. Papy m'a dit que ce jeu était à toi, mais que personne te l'avait donné. Profites-en. Meilleur vœu, mamie. Qui m'a offert.
Russian Car Driver. Russian Car Driver, j'ai déjà vu en plus des images du jeu. C'est une espèce de portage PC dégueulasse d'un jeu mobile dégueulasse qui se joue avec le cul et qui est moche. Et c'est pour ça que je suis super content. Merci beaucoup. Bisous Foxy. Bisous Foxy. Elle m'a mis littéralement la main devant la bouche. J'ai commencé à baliser mon gars. Je me suis dit ça y est, c'est le moment de mourir. Mais non, mais comme tu parles tout le temps, j'ai pas d'occasion pour placer mon. Excuse-moi de faire un stream. Oh putain. Oh j'hallucine. Tu parles tout le temps. Mais j'arrive pas à me faufiler entre tes phrases. Oh merde, ils m'ont niqué. Bon du coup, c'était peut-être pas la peine de prendre le silencieux. Tac. Tac. T'as vu, je parle pas moins. Hein. Tu m'impressionnes pas avec tes commentaires négatifs. Waouh! C'était quoi ça? Je me suis fait taser. Encore. Encore. C'était. Eh mais putain mais. C'est pas possible. Comment vous arrivez à trouver autant de jeux? Moi je veux bien des cadeaux aussi pour Noël. Si jamais il reste un peu de sous. Je veux bien. Popol qui m'offre The Room, pas celui avec Tommy Wiseau, malheureusement. Le grand Ruru et la petite Pooms. Je suis nul, je sais, mais j'ai un cœur gros comme ça. Meilleur vœu, Popol la Fripole. Il est adorable, ce Poléon. Adorable. D'ailleurs, dans pas longtemps, je filmerai une vidéo avec Poléon sur Day of Infamy. Et j'ai très hâte. Parce que Poléon aime bien tuer les nazis lui aussi. En fait, c'est carrément plus agréable dans le jeu d'être bourrin. Il y a pas mal de jeux où c'est l'inverse. Où être bourrin dénature un petit peu le gameplay. À Deus Ex et des trucs comme ça. Mais là, franchement, c'est agréable. Bon, après, je suis pas dans une difficulté très haute. Hein. Je suis en Bring Him On, donc. C'est le normal du jeu. Je n'ai pas de grenade. C'est un peu décevant. Je vais les pulvériser, tiens. Il a du bol, lui. Viens là, toi. Tiens, torture ta mère. Nazi, va. J'aime parce qu'ils ont, des tenues hazmat, mais ils ont quand même le petit... Hey, mais c'est pas possible. Scott qui vient de m'offrir The Room 2. Et qui signe prout prout la choucroute, moi aussi je peux le faire. Meilleur vœu, mamie. En majuscule. Mamie qui commence apparemment à péter un peu. Prout prout la choucroute, je note. Je note. Merci beaucoup, ce qui est dur. J'en ai marre, ces mecs. J'en ai marre, libérez-moi. Je vais aller streamer dans une autre équipe. Je vais aller chez Frappe Jeux. Plutôt. Tu crois qu'ils m'accepteront chez Frappe Jeux pour streamer? Franchement, ouais. Ouais. Je pense que ça peut le faire. Ouais. Tu t'entends quand même bien avec beaucoup des membres de là-bas. Ouais. Faut avouer que. Bon, c'est plus ou moins mes potes. Oui, hein, on peut le dire. C'est plus ou moins avec eux que j'ai commencé la méga forge d'ailleurs. C'est vrai. Mais ils se sont barrés parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez brutal. Alors du coup, j'ai une autre. Il y a un point d'amélioration, et comme il y a beaucoup de monde qui voulait que je prenne le magnum, je vais prendre le magnum. Qu'on peut d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Frappe Stéjeux, t'avais pas déjà viré deux fois? Non! Et non! Non, c'est un petit peu plus compliqué. Non, je me suis cassé de Frappe Stéjeux. Une fois d'ailleurs, même pas deux fois, pourquoi deux fois? Tu es fou. Non, je me suis cassé une fois de Frappe Stéjeux. Oh! C'est tout? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Ils font chier avec leur drone aussi. On est assez grand pour se virer tout seul, t'en fais pas. Non mais je pense savoir pourquoi il a dit ça, parce qu'il y a un moment t'étais parti pendant hyper longtemps et après de 7 t'étais revenu vite fait quoi. Pour repartir. Un mois et après. Ouais. Ouais. Et c'est là qu'on avait parlé en plus. Mais je suis comme ça, moi je prends de l'élan pour mieux sauter, tu comprends? Pour mieux me suicider. Bon c'est quoi? Il fait chier ce drone là, il est où? T'es où?
Bah tout seulement en plus. Mein Volkswagen. Non mais c'est mort. En fait je crois que Frappstejo, enfin le site est mort, mais la commu elle est toujours là quoi. Enfin, ah ouais genre, ils ont, bah tu sais, ils ont le Discord et tout quoi. Enfin, ah oui. Leur communauté elle est toujours ensemble, mais par contre le site en lui-même, enfin il est... Mais ils ont même plus d'activité, ils font plus de vidéos je crois. Non non mais c'est ça que je te dis. C'est ah d'accord. Ils font plus rien, mais la commu se parle toujours quoi, enfin ils sont toujours ensemble. Tu vois. D'accord. Mais par contre derrière non, y a plus du tout... Heureusement que nous on en fait depuis toujours des vidéos. Heureusement qu'on a un rythme qui est très stable de une vidéo tous les deux jours finalement. Bah alors tu fous quoi? Mais pourquoi tu montes ton cul? Bah alors Hans. Alors il est où le connard là? Parce que c'est pas le trou. Je sais plus quand est-ce que je chope le fusil de chasse, mais il faut quand même que je vous montre le fusil de chasse qui est vraiment vraiment efficace pour le coup. Ça c'est quoi, des munitions? La première vidéo que j'ai vue de toi, c'était une coop avec Adwim sur un certain jeu japonais, d'accord. Ok, donc on est à ce niveau-là, quoi. Ok, je retourne monter la vidéo. Oh, pauvre Whisky, non! Pas ça pour ça, Whisky, reste là, fais des bijoux. On a des pizzas. Pauvre Whisky. Moi, je veux bien ton petit chat. C'est... Moi aussi, je veux bien ton petit chat. Non. D'accord. C'est vrai que j'en ai déjà un, donc... Oh putain, j'ai juste tapé dans la glotte. Yo. Tac. Il y a pas mal de diversification au niveau de... Ouais, j'invente des mots. Au niveau des mises à mort aussi. Ce qui est pas... Putain, ce flingue est génial. Désintégré du nazi. Je sais pas s'il y a quelque chose qui me détend autant, quoi. Pendant que l'autre, il crie, là. Ah! Ishab a une tiny penis. Il va chez le veto après s'il a le sida, on verra le prix. Ça peut choper le sida les chats? Remarque les singes oui, alors pourquoi pas? Non je crois pas. Enfin c'est un truc spécial qu'ils ont les chats. Enfin genre ça peut pas se transmettre, c'est pas le même sida que nous. Pardon. Elle me tape en m'expliquant. Enfin c'est pas le même truc que nous quoi, mais ouais, c'est l'équivalent. C'est un sida différent quoi. Mm-hmm, c'est ça. Oh putain, Poléon qui m'a offert super hipster lumberjack, ru, escade, moi aussi je peux le faire mais en mieux, meilleur vœu, Lulu la morue. Putain, arrêtez, s'il vous plaît. Et putain, il y a Allen qui m'a offert deux jeux encore. Mais merde, mais les mecs, mais c'est pas possible. Oh putain, je crois que ça a fait crasher Steam. Non, c'est bon. De nouveaux cadeaux. Alors, c'est quoi cette fois-ci? Putain. C'est quoi cette fois-ci? Franchement, je le sens mal. What's Under Your Blanket 2? Je savais même pas qu'ils avaient fait le 2. Bonjour et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle frappe Solus. Adressée à Wolf14, signé IT63. Et encore une autre. Bonjour et à tous et bienvenue pour cette nouvelle frappe Solus de Piggy Poggy Pog. Arrêtez avec les cochons! Qu'est-ce que c'est que ce délire, les mecs? Merci les gars! C'est pour t'aider dans ton combat. Contre le sida? Non! En général, quand on dit ça, c'est genre son brave combat contre la leucémie ou. Remarque, vu le cancer qu'ils m'ont envoyé, tu m'étonnes. Mais non, sa fille, je l'ai pas tapé, je l'ai juste effleuré. Mais comme il a mais pas c'est... Temps, mais... Les gars! Ah non, c'est Allen! Ah non! C'est Scad qui m'envoie Towards Epic Edition, je sais pas. Russian, l'ami de Scadur et Papoléon. Ça traînait dans mon inventaire, je sais pas si toi tu voudras t'en servir, mais je suis toujours meilleur en cadeau que le pute belge. Bisous, mon ami. Meilleur vœu, Scadur, le meilleur. Merci Scadur pour Towards. Et bah peut-être, parce qu'en fait Towards, je l'avais vu sur GOG, et je me suis dit que j'allais le prendre juste histoire de le tester et montrer aux copains. À défaut de pas pouvoir streamer Towards 2 et de montrer les doublages magnifiques, je crois que tu l'avais déjà fait une fois en plus. Mais du coup c'est pas mal, merci beaucoup Skadur. En plus pour le coup c'était un jeu de ton inventaire, bon ça te débarrasse, mais c'était un jeu de ton inventaire, et non pas un jeu que tu as acheté pile juste pour me faire chier, ce qui est bien. Ah oui, j'ai peut-être dit, Nick qui souligne que j'ai dit, les gars, annoncez Allen. Désolé, Allen. Désolé, c'était indépendant de ma volonté.
T'es beau celui-là. T'es beau celui-là. Ah, il y a un autre. Ok. Il y avait pas de truc pour remplir par contre mon. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu foutais dans le bâtiment? Complètement con. Pour remplir mon arme, j'aimerais bien pouvoir brancher mon flingue. Non, y'a rien. Oh merde. Est-ce qu'il aurait été vachement utile de pouvoir avoir le fusil laser contre les ennemis qu'il y a après? Parce que je sais que ça chie un petit peu. Christian, faudrait que tu fasses le compte du nombre de jeux de merde que t'as dans ta bibliothèque Steam. Ah putain mon gars, déjà j'ai 60% de jeux je crois. Non, ou je sais plus si c'est entre 40 ou 60. Non, je crois que j'ai 40% de jeux que j'ai même pas lancé. Sur 41%. Mon frère français, avec des bisous et du gouvernement. Meilleur vœu, Skadur, l'homme de confiance, qui m'envoie Dead Island épidémique bêta. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais c'est quoi Dead Island épidémique? Et c'est quoi bêta? C'est quoi Dead Island épidémique? C'est pas l'espèce de Dota-like qu'ils avaient sorti là? Qui était une merde. Alors voilà, il y a lui. Hop, qui fonce un petit peu. Ah là, il est mort. Oh, je peux avoir Akimbo Flingue. Oh, ça c'est cool, mon gars. John Wick. Ah, ça c'est nice. Putain, j'aimerais bien avoir plus de munitions sur le flingue, tu vois, pour pouvoir... pouvoir faire ça tout le temps, pendant tout le jeu, quoi. Ça, ce serait cool. Je vais rentrer par là, tiens. C'est quoi cet endroit? C'est quoi cette map de Killing Floor 2, là? C'est quoi cet abri anti-atomique à roumain? Bon, faut peut-être descendre, c'est ça? Ouais, faut descendre. Oh, ce passage est horrible. C'est par là? Non, non, je rigole. Tu veux? Non. Parce que là, je te promets, c'est insupportable. Parce qu'il y a les chiens qui arrivent. D'une. Non, mais c'était une blague. Je pensais pas que tu m'aurais entendu en fait. Ah, d'accord, c'était une petite blague pour toi quoi. Oui. Lâchez-moi! Grenade! Dis ta mère! Heureusement que j'ai pas joué. Oh putain! Ah, c'est chiant les chiens en ennemis dans les. Merci Skadur qui m'envoie encore Dead Island épidémique. Et Poléon qui m'envoie encore un aussi. Mon égal belge, tu connais la blague de la saucisse à l'orange? PS, j'ai le pouvoir d'enculer le système, meilleur vœu. Putain, c'est pas possible. Mais vous en avez combien? Enfin, comment vous faites ça? Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Attends. C'est quoi qui m'a envoyé? Est-ce que Poléon m'en a envoyé aussi? Il m'a envoyé Ocus. Ruru, l'unificateur de patrie. Sache que mes cadeaux sont un pas de plus vers la liberté. Et Scat, son vrai nom, c'est Jean-Patrick Jougnard. Poléon, le meilleur des mondes. Jean-Patrick Jougnard? Pourquoi Jougnard? Non, Skadur, non. Skadur, calme-toi. Les mecs, on se détend. J'ai un stream assuré quand même. Normalement, le jeu, il est plus court que ça. Oh putain. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit de clodo. Je suis mort plein de fois ici. Alors, s'il vous plaît, hein, d'accord? On fait comme ça. Allez, faisons comme ça. Donc la première fois que j'ai fait ce niveau-là, j'avais littéralement peur de me faire taper par les trucs magiques. Sur les côtés, y'a rien. Ouh. C'est bon, c'est tout. Harpoons. Ce passage là m'a fait me chier dessus. En fait, quand tu m'as parlé, je t'ai regardé toi. Ah, donc quand on t'adresse la parole, tu regardes toi. Oui.
Ah, on m'a envoyé un cadeau, mais cette fois-ci, ça a pas fait Altab, c'était pas mal. C'est qui? C'est Mengor qui m'a envoyé ça? Ah non, c'est... C'est Foxy. C'est Foxy, ça. Qui m'a envoyé... Attends, il m'a envoyé quoi? C'est quoi? Je sais pas, c'était bizarre. Hein. Ah, Iwar, Children of Nezul. Mec, on dirait... Quand tu me l'as envoyé, j'ai cru que c'était... Je sais pas pourquoi, j'ai directement pensé à un album de Glory Hammer. On dirait un DLC pour un album de Glory Hammer. Allah, bisous mon frère, parce que j'ai aidé Pounz à pas avoir peur de toi. Alors, Allah est grand. Game on. Allah est grand. Merci, Foxy, pour un DLC de jeu que je n'ai pas. C'est très agréable. Merci beaucoup. Moi, je lui dis merci pour sa phrase. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Je l'ai fait avec l'accent arabe, je sais pas s'il fallait. Je pense que si. Alors, il y a des mecs là-bas, ça va être chiant. Eh, c'est insupportable. Mec, je sais même pas comment tu fais, parce que moi, ça ferait déjà longtemps que j'aurais pété un pont. Poléon, qui m'envoie uber moche. Tiens, ils ont fait un jeu sur toi, Poléon. Mon joli Ruru, sache que je serai toujours là pour toi, moi. Xoxoxo, Paul le riche. Merci, Paul le riche. Je crois...